Je rate tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live sur trop de trucs en fait. On va pas se le cacher, il y a beaucoup trop de trucs. Premièrement, peut-être que vous entendez en fond. Vous pouvez le voir aussi en vidéo, on va pas se le cacher. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, on est sur Ghost Recon Wildlands, l'opération Oracle que je peux peut-être vous montrer en fait. On va pas se cacher, on en est, hein. L'opération Oracle est sortie. On a un peu le temps, on a quelques minutes, alors on va en profiter. Voilà, donc c'est extrêmement plaisant, hein, techniquement. On peut voir à gauche, alors, opération Oracle. Alors, je ne joue pas à Ghost Recon Wildlands, mais je suis quand même toutes les informations de tout ce qui est possible de suivre. Sur Ubisoft FR, donc ce nouveau Ghost de Ghost Recon Wayland. Et alors, attendez que je vous sorte les vidéos. Normalement, j'espère qu'elles sont là-dessus. Voilà. Donc, je vous laisse écouter, tranquillou. Top-tier operators, the quiet professionals. Bravest of the brave, tip of the spear. All that in a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you, I'm a ghost too. Donc voilà, donc vous avez un aperçu de ça. Donc il y a un truc Ghost Recon Wildlands, bon, je peux refaire un dessin. Puis après ça, il y a un gars qui se dit, oh, c'est marrant, il parle de Scale Technology, si mes souvenirs. Oh, Scale Technology, parce qu'on a souvent un ingénieur. Si j'ai bien tout suivi, parce que je ne fais. Ouais, avec ma sympathie, vachement bien. Je me suis baladé là sur le site hier et j'ai vu ça. Bon. Je savais qu'il y avait une annonce, j'ai vu sur des articles, et aussi j'ai vu, parce qu'ils font des annonces sur YouTube aussi, Ubisoft, et comme quoi, bah voilà, via le site, tout ça, j'ai vu qu'il y avait une annonce le 9 mai à 20h30. Donc, on va un peu analyser ça tout de suite, même si je pense que ce n'est pas forcément très utile. Premièrement, pour quelle technologie, un truc de. Dans Wildland, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. La première mondiale, bon, ça, on a compris, on s'en fout. Peggy 18. Possiblement un jeu vidéo quand même, donc Ghost Recon Wildlands reste lié dedans ou non. Le seul souci, c'est ça. Ghost Recon, il n'y a jamais marqué Wildlands derrière. On peut s'imaginer qu'ils vont peut-être annoncer un nouveau jeu Ghost Recon. Ça va être bien, un nouveau jeu Tom Clancy. Il y en a, j'espère Splinter Cell. Pas sûr. Splinter Cell, je sais pas comment vous expliquer à quoi ça correspond, mais bon, c'est pas. Je pense pas que ce soit ça. Donc possiblement un Ghost Recon, je pense. Après, on peut regarder un peu les images en fond quand même. On voit des barres robotiques, là on voit des bâtiments, et là on voit de l'énergie. Donc après, quelle technologie, on peut se dire un truc, c'est toutes ces technologies. Donc bon, on peut avoir des liens, je sais pas si c'est un gros lien là-dedans. Et donc moi, je me suis baladé sur le live. Donc dans 20 minutes, une petite annonce sur techniquement. Un petit live sur une annonce, hein, parce que 20h30, 20h30 c'était passé. Si 20h30 n'est pas passé, ça a lancé il y a une heure, donc voilà, je me suis baladé. J'ai pas trop regardé, on m'a un peu regardé. Donc bon, on voit les planètes qui tournent, machin, un peu là. Je mets mon doigt, mais forcément, vous le voyez pas, c'est totalement con. L'alignement, il tourne la planète, je sais pas combien de temps ça fait, voilà. Là, vous voyez les planètes où ils bougent. On voit sur la carte aussi que ça bouge. Après, on voit les opérations, donc Quayraiser, Desertia, Gene Hunter, donc là. On peut se dire que c'est aussi des villes, par exemple Mexico City, des choses comme ça. Alors je ne pense pas que vous allez le voir parce que techniquement, chiant à vous montrer, l'opération Greenstone ici. Alors là, je vais essayer de me mettre en plein écran, je vais le décrire un peu. Donc regardez bien en bas à droite. On va dire que celles-là sont décryptées quand même parce que les dernières updates, comme c'est marqué, et en dessous c'est décrypté. Donc c'est en train de se décrypter. Donc là, on peut voir. Logo de Ghost Recon Wildlands, je crois. Le logo de Scale Technology. Et celui-là, celui au milieu là. Donc celui à gauche, Ghost Recon. Celui à droite, Scale Technology. Mais je parle bien en bas à droite, hein, bien sûr. Et au milieu, un logo précis. On ne sait pas à quoi ça correspond.
Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne suis pour rien. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses qui vont être là. Mais, voilà. Ça pourrait être assez sympathique. À quoi ça correspond, peut-être un nouveau jeu. Tout le monde pense à un nouveau jeu, franchement. Voilà. Donc après, on peut voir, par exemple, les satellites online, machin, ça s'aligne, machin. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour attendre, je vais me mettre un petit minuteur. Voilà. Donc, un petit minuteur d'environ 18 minutes. On va se mettre 17 minutes. Et ce minuteur-là va se lancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les rester là pendant 17 minutes. À droite, c'est toutes les premières missions de Ghost Recon. Ah, bah merci, bah je ne savais même pas. Donc, bon, voilà. En gros, à droite, c'est toutes les missions de Ghost Recon. Donc, merci pour avoir expliqué ça. Hein. C'est assez sympathique. Donc, après, je sais pas si vous avez une idée de à quoi ça peut correspondre, tout ça. Parce que, franchement, moi, qui n'ai pas trop joué à Ghost Recon, on va pas se le cacher, j'en ai aucune idée. Donc, je sais pas, bah, si on a une seule, c'est bizarre parce que l'oracle n'y est pas. J'ai bien suivi. Et voilà, donc je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Donc, après, à voir quoi. Donc, quoi, je pourrais partir en attendant. D'ailleurs, on a quand même 17 minutes à attendre. Je moins longue. Non, tout est relatif. Ce que je peux faire, c'est. Je vous propose peut-être juste de voir les petites nouveautés sur Fallout là. De toute façon, on n'a pas pour très très longtemps, on va pas se le cacher. Hein. Ouais, Trésor, c'était une mission finale en fait, donc c'est bizarre. Attends, c'était une mission finale en fait, donc c'était bizarre. C'est-à-dire. Quand on voit Trésor, tu m'as dit, c'est là? Celle au-dessus là? Ouais, franchement, connaissant pas Ghost Recon, enfin n'ayant pas joué beaucoup aux opérations, tout ça, je peux pas te dire, j'ai joué très peu. Donc c'est une mission finale. Donc, c'est-à-dire une mission finale, ça correspond à quoi pour toi, je me connecte. Donc, j'espère qu'ils vont annoncer un nouveau jeu sympathique. Ça peut être vraiment bah, sympathique, comme je vous dis. Voir si le fond. Attendez. Deux, trois trucs. Pardon. Excusez-moi, c'est une vieille pub qui s'est lancée sur mon téléphone. C'est vachement bien. Ouais, donc après, quand je lance. Oh, de Ghost Recon. Pardon. De Fallout. Excusez-moi, le Ghost Recon maintenant. En attendant, donc, on joue peut-être quelques minutes. Ghost Recon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah, Ghost Recon. Putain, Fallout. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, mon dit à faire, faut que je. Eh merde, c'est vrai que. Donc, appel au lancé. Ouais, justement, oui, très fin. Shutter Mountain, c'était une mission. Alors, attends. 30 secondes, j'ai pas lu entièrement ton commentaire. Donc, attends, tu m'as dit. Moi, justement, oui, très fin de saga, Shutter Mountain, c'était une mission finale aussi. Ok. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire une mission finale. Toi. Peux voir à quoi ça correspond, mais moi, je n'en ai aucune idée, techniquement. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Donc, j'aimerais bien que vous voyez 76 peut-être, vous devez voir que dalle, c'est génial. Donc, là normalement 76. Alors les messages, je ne les ai pas. Alors on va partir légèrement, peut-être quelques minutes, le temps que on se fasse une petite game. Je vous montre les dernières nouveautés là. Légèrement deux, trois trucs en attendant que ça soit bien tranquille. Et là, j'avais une appli de chat, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Ah oui. Ouais, mais si tu peux me mettre sur copie. Je vais voir les messages. 30 secondes, le temps que je lance tout ça. Ma voix qui perd un peu en couille, on passe le cagé. Au stream, c'est pas replay. Putain, je suis paumé ce soir. Alors, login. Outre. Merci. Comment sympathique ce gars-là. Oui, ouais. Ok, donc j'ai déjà tous les yeux. Alors salut Upcal Gaming. Je suis bon, là on attend. Alors, un peu de 76 en attendant. Voilà. Juste le temps, quelques minutes pour faire l'annonce. Donc, retourne un peu en arrière si tu veux voir le départ de tout ceci. C'est ce que j'ai dit au départ. Ce qu'a aussi a dit Texerner. Dis bien, pense. Voilà. Oula, il y a un PC qui bug.
Je totalement pas voulu se lancer. D'accord, non mais c'est génial. Et bonjour, elle fait 76, je bug. Génial. C'est pas une nouveauté, les gars, on va pas se le cacher. Alors, on va rester dans ce monde, hein, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que je me balade dès là. J'aurais bien voulu, dès que la carte vient s'afficher, me trimballer à une gare. Ah oui, c'est vrai qu'on peut vendre aussi nos camps. Donc, t'inquiète, mais pas celui-là car je viens d'avoir Fallout PS4 et je veux voir du gameplay. Ah! Bah écoute, alors, comme tu dis, je vais pas forcément te proposer beaucoup parce que je vais pas forcément jouer beaucoup techniquement. Là, je vais juste montrer des petites nouveautés. Donc, la carte de mon premier Fallout. Alors, moi, je peux le cacher, j'ai fait le 4. Assez sympathique le 4. Enfin, j'ai fait le 4. J'ai fait le début du 4. Je n'ai pas vraiment fait le 4. Mais j'ai vraiment fait. Et donc là, je suis sur le 67 parce que je l'ai acheté. Parce que je me suis dit, oh, c'est bien. Donc j'ai acheté 67. J'adore mes explications folles. Et que je trouve purement génial. Même s'il y en a. Je sais pas si tu as vu les critiques quand même un peu dégueulasses qu'ils ont mis. Alors oui, il est bugué et tout. Mais, il est extrêmement sympathique. Donc voilà. Alors après, bon, je suis passé niveau 60. Bon, je suis pas forcément le même niveau que toi non plus. Mais bon, c'est pas. Franchement, pour moi, c'est un très très bon jeu et qui est mal critiqué, alors que. Il devrait pas être critiqué comme ça en fait. Il est bien cool. Dans ce lequel entre 76 et 4. Alors, choix difficile. Moi, en fait, je vais pas le cacher. Je dirais le. J'ai pas forcément de préférence. Même. Un peu quand même, mais j'en ai pas forcément. Le 4, il y a des PNJ et une bonne histoire. En tout cas, moi, je pense sympa. Après le 76, tu as du multijoueur, donc tu peux jouer avec tes potes, tu peux quand même t'éclater avec tes potes, parce que c'est quand même un jeu sympa à jouer entre potes. Et alors, oui, t'as pas le. Comment ça s'appelle? Ah merde. T'as des trucs que. Comment dire, dans 76, t'as pas forcément beaucoup d'histoires. Si tu regardes bien techniquement, t'en as pas beaucoup. Parce que si tu fais qu'une mission de superviseur, malheureusement, t'as pas de PNJ non plus. Donc, à part des robots, c'est sympathique. Pas vrai du tout. Donc, malheureusement, c'est ça. Après, sinon, moi, j'aurais pas de conseils à donner. Je les trouve tous bien, vraiment. Malheureusement, j'aurais pas trop d'aide à te donner. Même si ça peut te faire chier, je le conçois, voilà, mais bon. Alors, la fiche de recrutement des pionniers. Donc en Lévis. Donc là, ouais, on va partir en quête. Donc en Lévis, qu'on a eu là tout à l'heure. Un camp d'armure, ok. Alors, attends, réparation à l'établi. À l'établi, bien sûr. Non, mais bien sûr, l'établi. C'est plus un abo passage à l'acte, t'as l'air sympathique et si pas peut t'aider. Ah bah écoute franchement mec, je te remercie énormément, ça fait plaisir. Parce que ouais, bah, c'est cool, mais de toute façon, franchement, il faut être sympathique quand il y a des gens qui viennent, c'est cool. Mais franchement, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, hein. Je te remercie énormément en tout cas. Mais ouais, franchement, je te souhaite déjà aussi avant, parce que vu que je vais bientôt passer sur le Ghost Recon, oh là, c'est cool. Bonne aventure, 76, parce que alors ça demanderait quelques heures de jeu, mais bon. Il est assez sympathique. Je te donne d'autres conseils si tu as des trucs que tu veux me demander, qui peuvent te guider peut-être, ça peut être assez sympathique que je te guide peut-être un petit peu. Voilà, faut pas qu'on fasse un truc trop grand par contre. Pour aller. Ah, j'étais bien ici parce que je pouvais passer mon camp. Voilà, ça sera. Ou alors les cartes. Alors le camp Lévis, il est où? Peu de chance d'essayer de se balader au camp Lévis. Ah, elle est là. Allez, on va aller au camp des pionniers. Oui, parce que c'est vrai que le camp des pionniers, j'y tiens. Allez. Votre balade au camp des pionniers, on va essayer de faire ça, donc c'est pas très compliqué. Ah oui, petit conseil aussi. Tu m'as vu sauter peut-être plus haut. Je te conseille un petit peu parce que avant que tu partes. En gros, en fait, t'as des mutations. Je sais pas si t'as un peu suivi sur 76, donc t'as des mutations. Là, c'est la mutation marsupiale. Mutation marsupiale, en fait, tu obtiens avec des radiations machin et des cartes
qui te permettent de bloquer les mutations pour qu'elles restent en fait. C'est-à-dire, les mutations, en fait, tu les perds, tu prends un Radaway. Radaway, c'est ce qui permet d'enlever les mutations. Enfin, d'enlever les radiations, pardon. Donc, quand tu prends ça, forcément, bah voilà, t'as plus de mutations. Donc, tu as une carte qui permet de les garder. Et donc, moi, on me l'a donné parce qu'on peut donner des mutations avec des sérums, enfin bon, bref. Et donc, voilà, donc c'était assez sympathique et je l'ai obtenu assez rapidement. Un petit conseil que vraiment je te conseille énormément, c'est jouer avec des gens. C'est-à-dire, moi j'ai joué avec. Ah, ça... Oh, sympathique! Oh, nickel! Oh, génial! Oh, je dis, bon, je regarde un peu. Donc, comme je te disais, je joue avec des amis. Pourquoi? Parce que tu peux. Ouh, je kiffe ce. Tu peux. Moi j'ai joué avec des gens, surtout qui étaient niveau. Niveau 250, quoi. Alors, ils m'ont donné plein plein de conseils, ils m'ont donné plein de trucs. Donc moi j'avais je sais pas combien de steam pack, plein de trucs comme ça, des armures. Ils m'ont donné plein plein de matériel, ce qui était assez sympathique. Donc, si t'as l'occasion, franchement profite-en. Voilà. Alors merci bien. J'ai une question. Pour moi, de l'aventure, les serveurs, ce qu'ils sont mélangés, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être avec des niveaux 100 alors qu'on n'est rien? Alors on est mélangé. Vraiment, on est mélangé. Après, avant le niveau 5. Tu n'as pas de soucis, tu ne pourras pas te faire exploser en PVP. Par contre, à partir du niveau 5, voilà. Après, tu as moyen efficace, si tu ne veux pas te faire défoncer en PVP, si tu veux pas qu'on te fasse chier, c'est tu te mets en mode pacifique. Donc, dans les paramètres, voilà, tu n'auras pas trop de soucis, donc tu pourras pas tirer sur un autre. C'est-à-dire, en gros, si on tire dessus et que tu retires sur la personne, là, tu as des soucis. Voilà, on écoute un petit peu. Donc c'est assez sympathique. Alors, qui vient encore une question, c'est pour les armures et à quel niveau qui... Alors, en gros, les armures, tu en obtiens un peu tout le temps. Okay? Donc, au fur et à mesure de tes niveaux, voilà. Je précise juste un truc, le niveau maximum des objets est niveau 50. Donc, quel que soit l'objet, tu passes niveau 50, tu as accès à tout. Alors, si tu parles d'armure normale, tu peux en obtenir comme ça ou non. Tu fous quand tu vas tomber sur des ennemis, tu vas les tuer, machin, tu vas avoir des trucs. Sinon, ou alors tu les achètes, voilà. Et après, pour ton armure assistée, pour tenir en compte des armures assistées, t'as plus ou moins des niveaux d'armure assistée. Donc, la même armure assistée peut être niveau 15, 25, 35 et 45, quoi. Voilà. Les armures, après, tu fous, il y a des spécialités, donc je sais pas comment t'expliquer ça. Un petit peu, là. Alors, bon, je ne suis pas forcément un très bon exemple, mais moi, voilà, ça pourrait donner une idée. Alors, que je fouille. J'ai un avant-garde. Avant-garde, par exemple, ça donne plus votre santé élevée, plus vos résistances aux dégâts et l'énergie augmentent. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, après, ma caméléon, sur mon environnement, mon furtif, en restant immobile. Donc, quand je reste immobile, paf, paf, je deviens invisible. Voilà, des trucs comme ça. Donc, nocturne, ça te rajoute des choses. Enfin, voilà. Donc, bref, dès que tu passes niveau 50, là, ça deviendra intéressant pour toi de comprendre. Moi, j'ai deux châssis d'armure assistée qui me pèsent extrêmement lourd à mon truc et je ne veux pas. Je ne sais pas. Voilà. À peu près. Mais tu peux me poser plein d'autres questions. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, je te le dis. Hein. Donc, attends que je me fasse un truc. C'est voilà, de voilà. Alors. Allez, tu vas voir. Très sympathique. Donc, faites preuve de qualité digne et poignée. Bonté, réanimer un allié, nettoyer les chalets de Kindy Corner. Oh, vous éliminez une nuisible. Ok, donc c'est pas du tout ici. Ok. Parlez au chef de groupe des pompiers, parlez au super chasseur de refuge de l'ourson noir. Hmm.
Donc réanimer un allié. Ça, ok. Servir à nettoyer salé de Kinning Corner. Éliminer les nuisibles à gagner des bâches d'éclairant des poignées. Éliminer. Ok. Qui est extrêmement sympathique, je ne capte que dalle tout ce que tu as fait. Aussi, t'as la boutique atomique, je sais pas si t'as un peu suffi, ça aussi, peut-être ça peut être intéressant. Donc, t'as des trucs sympathiques aussi hein, dans la boutique des. Voilà. Et une dernière question, car après je vais manger, j'ai vu que les serveurs de Fallout peuvent beaucoup crash, qu'il y a beaucoup de bugs, donc corrigés. Donc, j'ai un peu peur de ça. Alors, moi, j'ai pas eu de serveur qui a crash depuis le début, je vais pas te le cacher. Par contre, oui, c'est possible qu'ils aient des soucis quand même de temps en temps. De temps en temps, je te dis bien. Donc, t'inquiète pas, hein, t'auras pas trop de soucis là-dessus. Après, normalement, tu perds pas. Hein, de toute façon. Après, c'est par exemple, tu peux balancer des bombes nucléaires sur le Fallout. Forcément, si un gars commence à te balancer 15 bombes nucléaires sur le serveur, forcément, tu meurs comme une merde. Parce que 15 bombes nucléaires, le serveur, il a un peu du mal, quoi. C'est un jeu de mots, hein, 15 bombes nucléaires, pas forcément autant, mais au bout de 3-4 bombes, bon, le serveur est meurt. Mais bon, moi j'ai jamais eu de soucis de crash de ça. Peut-être pas là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Après, bien sûr, t'as tout bric-à-brac. Tu fouilleras, de toute façon, tu te débrouilleras au départ, ça ira bien, il n'y aura pas de soucis. Alors, je crois que. Oh putain, génial ce terme. Je crois qu'on va s'arrêter, hein, les gens, par contre, hein, parce que. Mes souvenirs sont bons, hein. Et c'est l'heure de l'annonce. Donc attendez, que je me remette au bureau. Oh, bah non, je peux quitter comme ça, c'est pas très grave. Ok, donc, OBS. On va se mettre sur du Mozilla Firefox que vous avez depuis le début. En fait, vous voyez que ça, je pense. Vous voyez strictement que ça. Génial, je suis vraiment un gros boulet, moi. Bah merde. Oui. Bon, vous avez vu que ça monte pas. Ok, donc en direct. Bon, j'ai un peu avancé, je sais pas si vous avez vu, mais bon, pas grave si vous avez pas vu. On a loupé trop de trucs, je parlais à un gars et voilà. Merci pour ta réponse, j'active une notification, je vais avoir mangé encore, merci de m'avoir accueilli. Bon, là, bah merci beaucoup, Pcat Gaming. Bonne app. Et oui, bah bien sûr, merci. Hein. De toute façon, je suis là de temps en temps. Là. C'est le minuteur, donc je fais des lives de temps en temps. Voilà, donc après, voilà, ce week-end, normalement, on devrait rien avoir. Peut-être du Fallout, donc si t'as envie de suivre ce Fallout, profite-en. Voilà. Donc voilà, nickel. Bon, bah, bon appétit en tout cas. Bon appétit. Bon, bah, comme je suis un gros boulet, Fallout, vous avez rien vu. C'est génial. Pas grave, bon. Discord, moi. On va voir, une petite minute, les gens. Une petite minute. 50 secondes. Voilà. J'ai tous les yeux si j'ai besoin. Allez! Oh, attention, attention. Bien intéressant. Je trouve ça extrêmement stylé. Bonne chance, les gars. On va bien voir. Hein. Les gars, je suis un peu plus fort.
Ghost Recon 2 introduces a dynamic shift to third person and supports up to 16 players in enhanced multiplayer modes. Ghost Recon Advanced Warfighter improves the focus on team coordination and features actual military prototype equipment and weapons. 1 year later, Ghost Recon Advanced Warfighter 2 delivers a deeply immersive campaign and multiplayer future war experience with the ability to command supporting units. In 2012, Ghost Recon Future Soldier makes a shift to exhilarating cover-based gameplay with the inclusion of the Sync Shot, Gunsmith, and adaptive camouflage technology. And in 2017, Ghost Recon Wildlands leads a tactical shooter into a breathtaking open-world experience to explore either solo or up to four-player co-op, as well as in a tactical 4v4 PvP mode in Ghost War. And now, the future of Ghost Recon. Hey everyone, my name's Emil Dalbon. I'm a U.S. Army Green Beret. I've served with Special Forces for 14 years and have deployed all over the world. I'm also very proud to be a writer on a new Ghost Recon game. Being part of the Ubisoft team has been an incredible journey for me, and we are so excited to share with you, our community, an experience that is going to bring players closer to real special operations missions than ever before. When we launched Ghost Recon Wildlands, we released an action-packed, open-world military shooter that can be played in solo and up to four-player co-op from beginning to end. We were completely blown away by your response. We are so grateful to our community that has grown to more than 15 million players. It's an honor. The stakes are high. Today, we're super excited to introduce a brand new Ghost Recon game to you. So let's get to it. Our story begins on a remote island in the middle of the Pacific Ocean called Aroa. The mythical golem was imagined as an artificial intelligence designed to serve and protect. The myth is now a reality. This self-driving vehicle crossed the entire United States without a human touching the wheel. The computer was creative. It outsmarted me every step of the way. Entrepreneur, visionary, genius. Jay Skell is planning to change the world. This is our first deployment of lethal drones. They have already saved countless U.S. lives. From our new headquarters on Aurora Archipelago, Skell Technology will, quite simply, build the future. Skelltech drones will enhance industries across the globe. They will eliminate food shortages, heal the sick, and in time, erase poverty. Mr. Skell, critics claim that with new autonomous systems, we risk summoning the devil. What do you say to that? We combine AI and machinery to serve humanity peacefully. I am personally dedicated to keeping that. Scary. Machines that can act together and react faster than humans. They're cheaper and more efficient than any other measure. There's no doubt that swarm surveillance systems will reduce crime on our streets. Would Mr. Skell care to comment on the recent assassination of a political candidate by a lethal drone? Mr. Skell has no comment at this time. Autonomous weapons are being developed and deployed without oversight or limitations. They are the next global threat. The UN must vote to enact sanctions on the spread of these weapons. We must act now.
We've lost contact with Aroa. No way to reach Jake Skell. Yes, sir, I understand the risk level. We're sending them in. The Ghosts are elite spec-up soldiers. The best of the best. But just how far can you push the Ghosts? How strong are they? How much can they take before they break? A breakpoint is a forced posture change. Shift from attack to defend. From defend to withdraw. From recon to survive. It is the moment when a unit has lost its combat effectiveness. When it is no longer able to fight. The onset of this inability to carry out a mission constitutes a breakpoint. This is Ghost Recon Breakpoint. In the past, the Ghosts had a plan. What if this time there was no briefing? What if this time the enemy expected them? Let's start at the beginning of Ghost Recon Breakpoint. Your call sign is Nomad, a ghost sent to Aurora. You have been sent there for what seems to be a usual mission. But this is far from what is about to happen. From this point on, all of your military survival skills will be put to the test. As you make your way through this mysterious island, you will discover the majesty, the beauty, and diversity of this brand new open world. From snowy peaks to sandy beaches, jungles, deserts, fjords, even a volcano. But you're not on Aroa to sightsee. Nestled in a beautiful archipelago and driven by the singular vision of accomplished engineer Jace Skell, they develop AI and autonomous drones. Skell's mission is to make the world a better place. But the road to hell is paved with good intentions. In the wrong hands, Aurora could turn into the most dangerous place on Earth. And it does. On Aurora, you are no longer the hunter. You are the hunted. And even worse, the Hunters are a unit of elite pickup soldiers gone rogue. They have the same training as you, the same experience, and they call themselves the Wolves, and they have taken over the island. Merde, je sais pas ce qui se passe. Lost. This time, the enemy. On va bien voir. Bon bah je laisse un peu, on va voir. Longer the hunter. You pick up spear islands. Powerful kill. Only have they taken over Aroa. And they have taken over the island. The Wolves are the most formidable opponents the Ghosts have ever had to face. Not only have they taken over Aroa, they've also reprogrammed Skell's drones to become powerful killing machines. You're lost behind enemy lines. And your enemy is powerful and merciless. So, Ghosts, can you survive your breakpoint?
Ghost 1-1, this is Ghost Lee. I'm 2 mics out of your location, but I got something bad's on my ass. Rally on me to eliminate the threat. Copy, Ghost Lee. I'm on route to Yappy. Dying now. Cover. There's an Azrael drone overhead. Copy that. Got him. On you, Ghost Lead. Copy. I see you. You got 3 bad guys closing from the rear. Nothing to report. I'm gonna continue my search. Reconning for location. You have hostiles to my right. Copy. On target. I'm bringing the fight to you. Be ready. Get set, guys! Good cover. Bravo team will set a diversion at the gate. Me and 1-1 will infill the camp through the rear. Copy. Shut.
Bravo team. Have eyes in your position. Hostiles. That's an Alphas drone. Stand by. Ghost lead to initiate. Have you spotted? There's nothing here either. Nothing ever happens around here. Lead. We're set. Go! Go! Let's move quick and quiet. Where the hell are they? Now. These guys are dead! Alright, let's find these hostiles. Take one. I'm right behind you. Bravo, team. You have hostiles inbound your location. Eyes open, boys. Enemies are in the area.
have you covered. Everything you saw in this walkthrough was made possible thanks to one thing, experience. 7 years ago, we started Wildlands with a team of 30. We now have more than 1,000 developers focused on Ghost Recon. In the past 2 years alone, we've released 19 title updates. Breakpoint is bigger and better than anything we've done before. This new game puts you in the boots of an elite special operations soldier. And on Aroa, you'll need every bit of your training and experience to survive. The terrain has a real impact on your gameplay. It can be your enemy or your ally. You'll have to cross bodies of water and climb. Slopes will make you slide and tumble. But you'll have the agility and new skills. With the prone camo feature, you can truly blend into your environment, using your surroundings to escape or surprise your enemies. And to make the experience more immersive and intense, players can also suffer serious injuries. And depending on the gravity of the wound, players will need to adapt. Can they still aim their rifle? Can they run and escape? Fortunately, you will also be able to heal yourself, either on the spot or in the brand new bivouac. The bivouac feature will allow players to rest and refit in the wilderness with their squad and do what real special operations soldiers do. You'll have a wide variety of tools at your disposal. You'll be able to cut through fences, unlock a drone that will allow you to slingshot several targets, even in solo, or use a rocket launcher to take down enemies. But survival isn't only about fighting. It's also about stealth. You can pick up and hide the body of an enemy to remain undetected, or move your fellow wounded ghosts to safety. Finally, you'll be able to play as multiple classes and will be able to change class at any time from the bivouac. 4 different classes will be available at launch, with more to come. The thinking behind many of these gameplay mechanics came from you, our community. Let's hear about how Ghost Recon Breakpoint has been inspired by your feedback. You have been our secret weapon in taking Ghost Recon to a whole new level. First, Ghost Recon Breakpoint will feature a new main story with hundreds of cutscenes, dialogue choices, and more characters for you to discover. The variety of enemies you'll face will keep things interesting, to say the least. There are many enemy archetypes with different abilities and weapons, and they're dangerous. Like this armored behemoth that'll take strength and precision to take down. Enemy behavior has also evolved. If you get spotted or if they become suspicious, your enemies will now coordinate together to take you on. Enemies will now always be on patrol throughout the world,
A constant reminder that in Ghost Recon Breakpoint, you're the prey. And to take them on, you'll now have fan favorites and all new weapons at your disposal. The gunsmith will give you access to a ton of different attachments that'll have a lot more impact on weapon statistics and performance. And you'll have even more options for character customization. And yes, this does include bloused boots. You'll be able to explore Aroa on road and off, by air and by sea. And there'll be more military vehicles to traverse this new world. Want to go fast? Take a Falcon. Want to plow through the jungle? Take a Fat Boy. Want to fight the wolves? Try a Locust. Of course, Ghost Recon Breakpoint is fully playable in solo and up to 4-player co-op. And we are happy to announce that PvP will be available at launch for all players. But that's not all. You'll keep the same character throughout your whole experience in Breakpoint. This means you keep the same customization, the same skills, the same weapons, the same progression across the entire game. And this is just the beginning. Every 4 months after launch, we'll release a new major expansion episode to the game. It'll include the very first raid in a Ghost Recon game. Here's a taste of what's to come. A lot of people put tons of passion into the making of this game. But we could not have done it without you, our community. And so it is our pleasure to present to you our world premiere. Our announced trailer for Ghost Recon Breakpoint. Never surrendering. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. Death.
So when you take the life of my brothers, when you provoke me, it doesn't matter how powerful you are, I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Ghost Recon Breakpoint is here, so strap on your boots, because you have a mission. Stay tuned to hear more, live from our studio. We'll be there to answer your questions. Ok, bon bah c'est fini normalement. Alors franchement, attendez. Mais je regarde un peu ça peut-être. Announcement post-show live stream from the Paris studio. My name is Grace. I'm one of your community developers on Ghost Recon, and I am joined here by two of our fantastic developers. Why don't you guys introduce yourselves and what you do on Ghost Recon? Hello, I'm Matthew Tomkinson, and I'm director of user experience and realization. Alors, je sais pas trop quoi. Bon, ça, je pense pas que c'est important de le mettre. On va laisser ça comme ça. Franchement, ça a l'air ouf quand même. Hein, parce que caché, ça a l'air assez sympathique. Franchement, ça a l'air pas mal. Attendez, 30 secondes. Franchement. Je pense que c'est un jeu, ils vont envoyer énormément de lourd quand même, parce que pour un site de Ghost Recon, c'est assez sympathique. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi répondre à ça, à part que ça a l'air ouf. Bon, alors au moins, bon, je ne veux pas faire la commentation en même temps, la commentation c'est... je ne vous ai pas commenté tout en même temps, mais bon, pas grave. Donc ce que je vous propose, c'est que là, je vais partir sur 76, voilà, donc après, bon, vous avez vu, donc après, bon, vous verrez les trailers, tout ça. Alors, à voir, juste pour revenir au jeu, à voir si c'est comme Ghost Recon Wildland, ou il faut pas que ce soit linéaire, parce que sur le gameplay alpha, linéaire. Mais bon, à voir, ça peut être, en tout cas, je pense, via le gameplay aussi, hein, mais je pense que ça peut être un jeu extrêmement sympathique. On passe le cacher, il donne envie de le faire. Hein. Genre maintenant tout de suite que dans cette impatience, il donne envie de le faire. Donc c'est extrêmement cool comme suite d'abonnement en fait. Hein. Je sais pas pour répondre d'autres, hein. C'est comme suite. Hein. On peut parler de suite. Donc voilà. Alors, attendez 30 secondes juste. Donc on va partir un peu sur 76, on va essayer de faire un peu les quêtes. C'est sympathique, donc on va finir les quêtes de Rose. On va bien faire ça, après on partira sur d'autres quêtes. Voilà. Ouais. Je sais pas quoi vous répondre, parce que il a l'air vraiment sympathique. Ouais. On voit la conclusion efficace et pas chère.
La conclusion pas chère. Alors, déjà, le serveur n'a pas l'air d'être barré. Un peu moins fort le jeu. Donc, je vais jouer peut-être 45 minutes, peut-être dans ces eaux-là. Voilà, parce que j'ai pas forcément envie de jouer peut-être plus. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est juste que bah, techniquement, on peut aller chez de Kindy Core là. Voilà déjà. Techniquement. Je devrais pas être là. Je devrais être entraîné. Alors c'est cool, je trouve que l'eau soit affichée. Ou ça fout vraiment genre. Alors c'est fou. Ah ouais, je me disais aussi, mais il manque un truc. La couleur que je l'ai fait derrière. Voilà. Bon bref. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose, ce sera qu'on. Hop. Niveau 416. Pas du tout au même level là. Techniquement, on n'est pas du tout au même level. Donc on va essayer de se balader ici. Pardon, c'est pas bugué. Voilà, t'es ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rhabiller un petit peu. Donc, objet, tenue. Attendez, lunettes aventurières. On va se mettre un masque et caisse d'assaut. Mettre une robe rouge. Et voilà. Alors. Oh putain, ce bruit. Oh dieu. Donc, on va aller là. J'ai un petit escape, c'est pas grave. Ouais. Alors, je voulais explorer ce bunker avant, donc je vous propose qu'on l'explore. Je vous propose qu'on l'explore et tout. D'accord, pistolet Gatling, télépantine, c'est extrêmement sympathique. Bon. Comment on peut trouver un pistolet Gatling là-dedans? Alors, techniquement, il fait chier. Ah non, parce que le pistolet Gatling, il fait une blague. On va explorer un peu ici. Voilà. Oh, la sympathie, le respect du rat de cafard. Je réponds à un truc. Anyhow. Merde, go. Alors, recycler tout le bric-à-brac. Que je suis un pont extrêmement stylé, il fait des dégâts de fou. Regardez. Ah, un brouillard radio. Attends, juste que je finisse. Par contre, ouais, j'avoue, c'est extrêmement stylé. Ça. Attends, je réponds. Ok, alors excusez-moi. Même pas le chat Twitter. Ouais, tu fais jeu, attendez. Ok, excusez-moi. Hein. Alors, on y va. Non, je voulais juste explorer ce bunker parce que j'y suis allé, donc autant l'explorer en passant. On verra que c'est sympathique. Attendez. Je réponds juste, fini de répondre encore une fois.
Ah, salut. Une seconde. Petit coffre-fort. J'avais déjà exploré ce bunker. Merde, j'ai qu'il y avait que dalle ici. Mais non, putain. Putain, encore un bruit de jeu. Eh oui. Attendez. Ok, je me dirige bien vers le bon endroit. Petit lac sympathique. Je peux pas le chat sous les yeux en plus. D'accord. J'ai pas envie de savoir ce qui... pourquoi les arbres sont comme ça, mais bon, bref. Extrêmement déplaisant quand même. Ok. Aucun dégât le truc. Ok, donc. Oh putain. Je peux avoir un. Mais sur les trucs. Tu demandes quoi d'autre là? Tu demandes toi, vas-y, viens, 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 vas-y, viens, viens. Oh putain, il est violent quoi. Bon, Steampack, c'est vrai, je crois que j'ai remboursé. Oh putain. En 30 secondes. Yes, hein. Journal du superviseur, bunker des États-Unis.
Sam Blackwell et Rally Clay. Ces enfoirés de traîtres et leurs cliques séparatistes ont tourné le dos à l'Amérique pour former des États libres. Des bunkers en béton. Aucune chance que ça passe l'examen anti-radiation de Voltec. Ça, c'est sûr. Et on dirait qu'ils ont mis leur paranoïa de côté assez longtemps pour demander l'aide d'autres survivants. Je dois juste pirater ce terminal et voir ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce qu'ils avaient comme projet. Bon bah c'est cool hein, les bunkers en béton. Salut étranger ou étrangère, et pas la peine de paniquer. Moi c'est Abby, je ne suis pas votre ennemi et ceci n'est pas un piège. En fait, si vous écoutez ça, ça veut dire que je suis morte. Oh Dieu. Je faisais partie d'un groupe nommé les États libres. Nous avons donné nos vies pour essayer de terminer ce que nous appelons le système de détection de calciné. Ce système vous permettra de prévoir les attaques de calciné et vous aidera aussi à affronter les sulfurés. Si vous pouvez nous aider, j'ai créé un ensemble d'instructions pour terminer le système. Tout d'abord, vous devrez trouver la dernière balise du système de communication et, à mon avis, elle aura besoin d'être réparée. Nous l'avons confiée à un gars du nom de Madigan et nous lui avons dit d'aller la fixer sur l'antenne du sommet du monde. Il faut que vous trouviez cette balise. Vous pourrez la réparer sur mon établi qui est là et ensuite, vous pourrez lancer l'enregistrement suivant depuis le terminal principal du SDC. Si vous êtes encore là, j'espère vraiment que vous accepterez d'aider une nana qui est morte. Si c'est le cas, bonne chance. Et sinon, eh bien, amusez-vous bien avec les calcinés. Et si par hasard c'est Madigan qui écoute ça, eh ben t'aurais pu te dépêcher. D'accord, j'avais pas compris. Okay. Ok, bon bah écoutez, go c'est parti. Voilà. Dex, c'est quoi Dex? C'est Dex, il est à côté de chez moi. Apparemment, c'est quelqu'un. Trop l'impression de faire des chiens. Putain, autre truc. Voilà. Un petit. Là. Ok, alors. Alors, les données, les quêtes. En défense. Ok, secondaire. Allez, on va faire là. Préparer la balise cassée. Ok. Bref, ok. Alors, objet de quête.
Valise. That's quite a time. Non, R plus P42. R P42. Genre. Oui, je l'ai envoyé sur le chat. Non, il y en a foutre. Vous voyez, je me pose ici. Ok, normalement c'est bon. Bien noté. Attendez. Donc on va aller dans le bunker, il est où ce bunker? Oh putain. C'est quoi? Wagon, on va faire la route, hein. De toute façon ça nous permettra d'explorer un petit peu. Hein. On a nos choix. Nous n'avons pas le choix. On va aller bien la faire, cette quête. Je réponds à notre message, désolé. Ok, on va go, hein. On va aller à l'autre bout du monde. Un sud. Dans le bourbier. Une bestiole dégueulasse. Pour t'en tuer. Oh, nickel. C'est bien, c'est beau la vie. Oh putain. Dans la merde, je peux vous dire. On va se mettre sur la route. Safe. Comment dire. J'adore la musique. J'ai flippé le rage. C'est mort. Pas si fort que ça, mais bon, pas mal quoi. Faut quand même d'en exploser deux. Tout l'union le quand même. Ouf. Oh putain, j'étais pas prêt. Alors, attends, objet, tenue. Oh putain, j'étais pas prêt là. Ouf. Attends. Attends, faut que je te fasse un petit team pack quand même.
Nous en pensez, 50, ça va. Mais j'étais pas prêt d'avoir ça. Ouais, j'étais pas prêt. Putain. Le seul souci, c'est que. Bon, la fusion, j'en ai pas mal, mais. Steampack, steampack, steampack. C'est quoi ce lieu? Un écorcheur caméléon, les gars. Crédible un moment, attendez. Putain. Bon bah attendez, qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire, les gars. Un écorcheur caméléon, mais d'où ça existe? T'es pas prêt. Oh, j'étais pas prêt. T'as ce lieu, mais. Pas trop quoi répondre parce que c'est puissant, mais. Et je vous propose qu'on essaie de se balader un peu. Ouais, non, mais c'est sûr, forcément, en partant de ce niveau-là, les gars. Non, elle est morte. Comment qu'elle a fait pour mourir? Ouais, elle est morte, mes yeux. C'est du propre. Je vois à côté. Et je vous propose qu'on aille fouiller la cabane. Pas plus simple. Mais j'ai pas compris ce qui vient de m'arriver là. Et je voulais explorer l'abri 80. Explorer l'abri 96 avec vous. C'est sympathique, je trouve, comme mieux. C'est plaisant. Bien. Tu le sais.
Ah, c'est quoi ce foutage de gueule, les yeux? Et je fais comment, concrètement? Non, mais après, c'est juste une question normale, tu vois, genre... En quoi? Allez, on va faire. Ah bon, oui, je suis plus rapidement, non, mais... Attendez. Je peux augmenter légèrement la difficulté, je sais pas, non? Genre comme ça, je sais pas. Comme ça. Ah, je prends les dégâts de suite et tout. N'importe quoi. Oh. Bien. Putain. Le bordel. Pratique. J'aime mon cœur. Bref. J'ai commencé à récolter des échantillons pour les analyser. Avec un peu de chance, les plantes peuvent toujours être utilisées pour fabriquer quelques remèdes à l'ancienne. Rally a lancé une batterie de tests pour l'eau et les sols. Je suppose qu'on peut s'estimer heureux que l'air soit respirable. Mais cet endroit, j'ai grandi ici et je le reconnais à peine. On n'avait aucun moyen de se préparer à ça. Les niveaux de toxicité, les petites mutations, oui. Mais je vous le dis, Darwin perdra la raison en voyant. Après. Voilà.
Alors. Sérieux? Alors après, de toute façon, le genre de guette. Mais je pense que je peux essayer de reculer un cran. Le but, c'est que j'avance petit à petit, je pense. Je suis toujours un checkpoint. Je dirais d'un bon. Faut pas que j'y vais d'un. Comment dire? Faut pas que j'aille d'un cran. Non, tout de suite, en gros. Faut pas que j'aille d'un. D'un coup sec, on va dire. Faut que je. J'y aille petit à petit. Faut pas que j'aille direct, pardon. Sud. Mais merde. Il y a le petit submersupial, donc. Ouais, attendez. Il fait mal ce con. Qui est violent ce con? Bon, on va pas réussir, hein, on va essayer de le refaire de toute façon, mais. Waouh! Non, c'est violent le mec de merde. Hein. Je la manque, je pense. N'importe quoi. Je pars en couille. Pas du tout bricabrac que j'ai fait. Pas drôle. Oh, putain. Pas simple. Je mangeais tout seul, j'aurais été à plusieurs. Mais bon, faut jouer avec d'autres personnes. Menu toi, c'est pas simple. J'ai envie d'avoir une quête comprise, quoi. Vous voyez, hein, pour au moins avoir lu en. Quoi. Oh, je l'aime ce gars. Oh, t'as bien fait le boulot. Ah là là, parfait. Sympathique. Pour toucher trop magnifique, sympathique. Pas mal, je pense pas qu'on pourrait mettre un magazine comme ça. Porte magazine. Bon, il fallait que je vous parle. Si vous rencontrez quelqu'un hésitant à rejoindre les scouts pionniers, dites-leur que le meilleur moment pour nous rejoindre, c'est maintenant.
chef chez les scouts pionniers. Je parie que vous ne savez même pas ce qu'est un entomologiste. Le dernier tétard n'arrêtait pas de dire étymologiste. Je l'ai frappé avec un dictionnaire. Enfin, mon programme ne m'a pas laissé faire. Mais j'en avais envie. Tellement envie. L'entomologie est l'étude des insectes. Pas des mots. Et il y a beaucoup trop d'insectes ces jours-ci. Depuis quand sont-ils aussi gros? Je poursuis les travaux de mon ancien poste de chercheur principal. Si vous pouviez me rapporter certaines parties de quelques nouvelles espèces, je pourrais mettre au point un répulsif à insectes. En voici une liste. J'ai indiqué les endroits où vous pourriez trouver les insectes concernés, mais inutile de vous limiter à ces régions. Mmh. Ouais, bah... Toi, je suis un artiste du guet. Bon, écoutez les gens, moi je vous propose que je m'arrête là. Parce que je vais envie de m'arrêter là, tout bonnement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... On va aller à mon camp avant, même si c'est totalement l'opposé, mais j'en ai rien à foutre. Alors, je paierai, hein, voilà. juste de quoi se ravitailler, se construire quelques bâtiments. Donc voilà, après on a quelques quêtes à faire. On va essayer de tout. Ingénieur sans oublier l'exploration. Voilà. Je peux regarder un tir. Ah mais ils sont stylés. Ok, alors, châssis d'armée assisté. Alors, on va voir. Tiens, recyclage ultime. Ouais, je me fais pas mal, non, quoi. Et là, attendez, armure pierre. Alors. Une 45 est chargée. Yes. Ok. Ok. Bon bah je pense que je peux tout vendre. Non, je peux les mettre à vendre, au pire. C'est toujours sympathique à vendre. Parce que voilà, ce genre de truc. Si t'as bien insisté, je peux toujours les mettre à vendre, je pense. Alors, ça, je garde.
On s'en fout. Regardez, il y a un coloré vêtement en cuir. Techniquement. On répare un peu tout le bordel. Ah, attendez. Ok, donc dans l'ordre, on va dire. Tiens, celui-là, je ne l'ai pas fait encore. Et après, c'est quoi? C'est les structures. Bon. Oui, je ne sais même pas qui je suis couché. Allez. Ok. Et quoi, c'est un terminal personnel aussi. Bon, faut même encore un refaire. Faut oublier ça, hein. Alors, attendez, on va mettre un truc, on va faire. Les châssis ne se vendent pas. Vitesse. Je vais mettre ça peut-être à 100 capsules. De, allez, 150. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, attendez. Tout le monde est trop mignon, minerai. Je voulais faire d'autres. Armes. Les armes.
lui, tu l'en fasses là. Allez, bon, de toute façon, autant les mettre, hein, c'est pour ça. Hein. Voilà, alors attends, il donne les armes. Il y a un pont. Je suis très triste. Voilà. Attendez, en arme, on a des... On a... Oh, je suis un peu fermé. Et 1m14. Allez, je vais nous faire quelques trucs. Je vais peut-être en gagner un petit peu d'argent. Voilà. Et merde, faut que je connecte aussi. On va y aller. Tout le monde est Ah, attendez, c'est bon. Bon, allez, allô. Bon bah go, c'est parti. Bon bah écoutez les gars, moi je vais y aller. Attendez, on va quitter. Voilà. Donc écoutez, je vous dis, remercie d'avoir regardé. En tout cas pour Ghost Recon, c'était sympathique. Donc likez, partagez, abonnez-vous, vous allez pouvoir promener, c'est pour être génial, voilà. Et donc, j'y vais. Bon allez, je vous dis à bientôt, allez. Même plus. Peggy 18. So glad you're here.